i you Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 23e dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu nous convie de contempler Jésus qui nous dit, si deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. La parole de Dieu de ces dimanches nous convie de méditer principalement sur la, sur la réconciliation. Personnel et la réconciliation communautaire. Nous réconcilier avec nos frères et sœurs. Dans la part de l'évangile, Jésus dit Si ton frère a un problème avec toi, il faut lui faire de remarques, de reproches seul à seul. S'il vous écoute, vous avez gagné votre frère. S'il n'écoute pas, alors. Prendre un ou deux personnes. Pour célébrer la réconciliation. Mais s'il refuse cette réconciliation, vous demandez à la communauté de l'écouter et d'agir. Ainsi des suites. Mais Jésus conclut pour dire s'il n'écoute pas, considérez-lui comme un païen. Ça veut dire quoi en d'autres termes La grâce de Dieu nous accompagne elle fait partie de notre existence. Dieu donne les temps au temps. Il voudrait vraiment que nous puissions nous convertir. Les temps nous sont donnés le temps est là le temps d'aujourd'hui du monde nous est donné pour nous convertir pour célébrer la réconciliation mais si toutes les occasions occasionnelles qui nous sont données nous refusons la grâce nous refusons de célébrer la réconciliation nous refusons toutes les belles opportunités pour nous convertir et eh bien voilà nous sommes considérés comme païens parce que nous avons refusé toutes les opportunités bien aimés dans le christ saint paul nous rappelle cela il nous rappelle les vivres ensemble. Il s'adresse aux Romains, il leur dit Au-delà de toutes les réalités, le commandement de l'amour est au-dessus de tout. Aimer Dieu de tout notre cœur, mais aimer nos prochains comme nous-mêmes. L'attention à l'autre est une question de la civilisation d'amour. Si j'aime mon frère, si j'aime réellement ma soeur, je veillerai à ce que sa situation soit la meilleure. Je veillerai à ce qu'il qu ne tombe pas dans le trou. Euh, C'est ce que le Seigneur notre Dieu appelle le guetteur. Dans la première lecture, il s'adresse au prophète pour dire Vous devez faire votre travail de guetteur. Vous ne pouvez pas vous échapper. Vous devez veiller sur les autres. Veiller sur les autres, c'est notre devoir. C'est le devoir des uns des autres. Vous ne pouvez pas dire Non, je ne suis pas sentinelle de mon frère, je ne suis pas centenaire de ma soeur, je ne suis pas ceci ou cela. Non. Nous devons faire la correction fraternelle. Celui qui refuse la correction fraternelle, c'est son affaire parce que faisant partie de cette société, faisant partie de la communauté humaine, nous avons besoin de la correction fraternelle. Il y a des gens qui ne veulent pas la remarque, qui ne veulent pas être corrigés. Évidemment, tu veux pas être corrigé. Ça veut dire que tu refuses la grâce. Et donc, au quotidien, plusieurs fois nous refusons la grâce, et bien des personnes nous refusent la grâce parce que ils ne veulent pas recevoir leurs marque, parce que ils n'écoutent pas les conseils, parce que ils refusent tout. Et ce sont des matus. L'arrogance parfois nous écrase inutilement. L'arrogance quotidienne, les matus, les gens qui gonflent comme des pneus inutilement. Tu n'es que poussière et tu retourneras à la poussière. Tu es en train de gonfler, pourquoi Écoute la sagesse qui vient de ton frère, qui vient de ta sœur comme remarque pour pouvoir changer la correction fraternelle. Bien chers frères et sœurs, la part de l'Évangile d'aujourd'hui, la première lecture, la deuxième, toutes ces lectures nous invitent à la correction fraternelle. Nous devons recevoir la correction. Nous devons écouter les conseils des autres. Nos pays sont tutubants aujourd'hui parce que on ne veut rien écouter. Bien des familles sont disloquées, divisées, écrasées parce qu'on on n'écoute pas les conseils, parce qu'on ne veut pas entendre d'une oreille la correction fraternelle, la remarque pour pouvoir grandir. Bien aimé dans le Christ, célébrer la réconciliation, c'est justement faire une adoration sur la prière quotidienne, sur le dialogue avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils, avec le Saint-Esprit, sur le dialogue. Et Jésus conclut la part de l'évangile pour nous dire, si deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu. De. Une belle assurance. Jésus nous, nous rassure, qu'il nous accompagne, qu'il voyage avec nous, qu'il est avec nous. Il est avec nous. Comme disent les psaumes, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob est là avec nous. Il nous accompagne. Notre prière quotidienne, c'est de nous rassembler, c'est de vivre la communauté. Et comme le dit les Actes des Apôtres, que le premier chrétien vivait d'un seul cœur, uni dans la prière. Ils partageaient le même pain, la fraction du pain. Ils célébraient ensemble, le vivre ensemble. Personne ne peut vivre comme Nilo. Personne ne peut vivre en singleton Nous avons besoin les uns les autres pour grandir. Et pour y parvenir, nous avons besoin de la grâce de l'humilité. Soyons humbles, soyons humbles pour recevoir la correction fraternelle. Ainsi. Recevons la correction fraternelle, nous vivrons dans la justice, dans la concorde, dans l'harmonie et dans la paix. Que cette opportunité méditative que nous avons nous aide, chers frères et sœurs, à grandir dans la foi pour célébrer au quotidien la réconciliation et faire croître la communauté des enfants de Dieu. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.